Chaque fois qu'il y a un congrès, il y a un renouvellement des organes de base de Moenam. Donc, à la faveur du festival, le congrès Banga Moenam, les deux activités qui se sont tenues au mois d'avril 2022 à Bertoua, il y a donc eu un renouvellement du bureau national. Ainsi de suite, au niveau du bureau régional, bureau départemental. Ça va donc suivre au niveau des coordinations d'arrondissement. Dans le mouvement migratoire du peuple Baya, le Baya est parti du Soudan, passant par la RCA pour s'installer au Cameroun. Et les Baya au Cameroun partagent plusieurs régions, j'allais dire même trois régions, la région de l'Est, la région de l'Adamawa, la région du Nord. Si un peuple n'a pas de culture, c'est un peuple qui n'existe pas, c'est un peuple qui ne vit pas. Donc le Moenam se veut donc cette association-là qui valorise les atouts culturels du peuple Baya. En tant que nouveau coordonnateur départemental pour la CADI, nous avons des grands défis. Voyez-vous, dans la CADI, nous avons besoin d'un foyer départemental. Qu'on passe, que ce soit comme musée, qu'il y ait des éléments qui montrent notre identité Baya au niveau de la CADI. En dehors du foyer Moenam, que nous avons placé comme activité prioritaire pour notre mandat, parce que notre mandat, c'est 2 ans. Renouvelable une fois. Alors, en dehors du foyer, nous allons également valoriser la culture Baya en organisant un mini festival départemental. Et à l'issue de ce festival, nous allons détecter des talents, nous allons détecter des objets d'art Baya que nous allons primer les meilleurs et conserver dans ces objets. La redynamisation de tous les foyers Moenam. Comprenons que tout peuple, tout Baya qui naît est déjà membre de Moenam. Avant d'avoir de façon conventionnelle, de façon formelle, la carte d'adhésion. Parce que c'est un mouvement associatif, c'est un mouvement dédié au peuple Baya. Donc tout Baya qui naît est déjà membre de Moenam. Nous voulons ramener donc tout le peuple, ramener tout le peuple Baya en ce qui concerne la CADI, à vraiment se souder ensemble, à se mettre ensemble pour valoriser la culture Baya. Et nous allons nous appuyer au niveau des chefferies. Parce que les chefs sont d'abord les garants de notre culture. Nous allons travailler en collaboration avec les chefs. Nous allons travailler en collaboration avec les leaders communautaires pour que le patrimoine, le riche patrimoine Baya, le riche patrimoine culturel Baya soit valorisé. Mokango metonde Moenam ke beme di mene Baya ka di mene membre Moenam. Et Hazamo Moenam et comme le coordonnateur départemental Moenam et même nous cadet. Et surtout, à mon cérémonie, qui avait samedi, cérémonie installation, et même le bureau départemental, que yambi ayi big bayana obede ne gaya ya ko souvenir ne mo kai ko odun me de ya ni donc ande wi fait amoya moenam baya fait amoya moenam ko me guko baya dingon et surtout on a de valoriser culture baya.